Yo les amis, c'est Balki187. Alors aujourd'hui, petite vidéo concernant une commande que j'ai reçue de chez Amazon. Voilà, je vais vous montrer ça. Il s'agit d'un vinyle. Alors, un petit message spécial à l'autre trou du cul, hein, à l'autre trou du cul, il n'y a pas d'autre mot, qui m'a laissé 2-3 commentaires concernant la vidéo précédente concernant Amazon, où je disais que c'était abusé les cartons qu'ils mettaient pour mettre un vinyle. Eh ben regarde mon gars. Ici, ils me l'ont envoyé tel quel, comme tu peux voir, hein, il y a l'adresse là, voilà. Donc ils me l'ont envoyé tel quel, tu vois que le vinyle, il rentre parfaitement dans une petite boîte. Ça donne beaucoup moins de carton que la grande boîte, hein. Donc là, donc avant d'envoyer des commentaires de merde, hein, eh ben on attend un petit peu de voir les autres commandes que j'allais recevoir. Et tu vois bien que ici, c'est bien un carton adapté au vinyle. Et le carton n'a absolument rien du tout, aucun coût. Pourquoi? Parce que la poste prend plus soin des cartons comme ça que les gros cartons. Je ne sais pas si tu as déjà vu comment est-ce que la poste traitait les gros cartons et tout ça, mais surtout que ici, parce que j'ai fait une petite réclamation à Amazon concernant l'emballage, et ils m'ont dit que c'était de chez eux que la boîte avait pris un coup. Voilà, donc c'est même pas la poste pour une fois, donc c'est directement de chez Amazon, donc directement à la source que le carton a été abîmé. Mais ils m'ont bien spécifié que le carton était abîmé avant même qu'il y ait le vinyle à l'intérieur. Enfin bref, on s'en fout. On va passer directement au déballage, donc juste après le générique. C'est parti, let's go. Donc nous voilà pour le déballage de ce petit vinyle. Je l'attendais quand même depuis un petit moment et je pensais pas l'avoir tout de suite, mais j'ai pu avoir un petit truc assez sympa, donc un petit remboursement d'un site que je pensais plus du tout avoir de nouvelles d'eux, parce que ça faisait quand même un mois et demi que j'avais acheté un truc chez eux. Donc bon, le site, je vous le déconseille, c'est là où j'avais acheté mon téléphone. Bon, je vais même pas vous donner le nom du site parce que franchement c'est de la merde. Là, si vous voulez quand même savoir le nom du site, bah, vous allez voir tout simplement la vidéo que j'ai fait quand j'ai reçu mon téléphone reconditionné. Voilà, donc comme vous avez bien montré au monsieur, hein, vous voyez, c'est bien un carton exprès pour le vinyle. Hein, à la grande gueule, encore il repasserait sur ma chaîne pour me mettre un commentaire. Et voilà les gars, le petit nœud dupe. Donc il s'agit bien sûr du premier groupe de Gwen Stefani. Comme je vous avais vu dans une vidéo précédente, j'ai le premier et maintenant j'ai celui-ci. Et celui-ci, il est juste magnifique parce qu'il y a la chanson que j'attendais avec impatience, mais de ouf. Il s'agit de tout simplement Don't Speak, qui est pour moi une de mes chansons mais ultra préférées de ce groupe. Donc j'ai vraiment hâte de l'écouter. Elle se trouve sur la face B. La troisième chanson de la phase B. Donc j'ai vraiment hâte d'écouter ça avec impatience. Et voilà. Donc les gars, c'était une petite vidéo comme ça vite fait concernant le petit vinyle de No Doubt. Allez, c'est parti. À la prochaine. C'était Balki187. N'oubliez pas comme d'habitude le utip, les commentaires, les pouces. Lâche un pouce bleu.